Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Crusader Kings 3, au secours. Alors. Ah oui, il fallait que je gagne la guerre, c'est vrai. J'avais oublié cette connerie là. Encore un enfant! Ah, c'est Galéo a encore pondu un gosse, mais. Putain, c'est pas possible, bon bah ce sera ton cred. Hein. Évidemment. Hein. Ah non, ce sera. Attendez. Ce sera Enriz. En l'honneur du bon vieux temps. Ah, ma fille. Ma fille. Attendez, on a fait Estrée, on a fait Justine, on a fait Pivonne, bah, ce sera Slave. Évidemment. Hein. Évidemment. Soutien à la modération. On est repassé à plus 7%, donc il faut que j'aille l'aider dans le sud, là. C'est chiant. Oui. Il fait chaud dans la maison. Il fait bon dans la maison. Dans ma vie, hein, mes champions. Les guerres coûtent cher, et comme mon trésor se vide rapidement, il faut que je réfléchisse aux moyens de payer pour mes soldats restent sur le champ de bataille. Ah merde. Ok. Ah, je peux essayer ça. Hein. 25 de stress critique. Je suis à combien de stress là? Ouf, non, c'est sale ça. Et merde. Et bien que ça arrive, hein. BZ. Après, c'est un peu salaud de la part du jeu de faire ça. Ah, d'accord. Ok. Stop. I'm not feeling so good, Mr. Stark. Un ennemi a quitté la guerre. Alliance expirée, Richard de Normandie. Ah, il est mort. Ok. Bon, finalement, ça m'arrange parce que c'était un gros Delbor. Ah. Je suis commis comme un homme profondément pieux, ma dévotion à Dieu ne devrait-elle pas aussi servir quelque chose dans cette vie et non uniquement dans la suivante? Il y a un certain nombre de personnes qu'il serait bon de leur rappeler que je suis dans les bonnes grâces du Seigneur. J'ai été trop indulgent avec l'Église cette année. Sinon, le pape même. Sinon, je dépense pas ma foi et du prestige, j'en ai à plus savoir qu'en foutre. C'est vrai que du fric, je suis pas contre, mais j'en gagne beaucoup maintenant. Je vais prendre l'opinion du pape, c'est bien. Oh, l'église au milieu du village, là. Oh oui, oh oui, oui, oui. Alors, 76, ça va, c'est ok. Bon, on va se calmer un peu sur les guerres, un petit peu, là, on va... Des vassaux puissants, mais c'est qui, celle-là? Qu'est-ce qu'elle branle, elle? Oh, putain, elle a une grosse... ok. Putain, elle est forte en érudition, hein. Pourquoi je me tape un gland, là? 24 en diplomatie, non mais Béotric, Gospatric, il est... Il est Gauthier, hein. Faut le laisser là où il est. Je vais... Ok. Ok, ok, ok. Ah mais attendez. Attendez, attendez. Tâche annulée. Comment ça, il peut plus augmenter le contrôle comptable? Bon, d'accord, ok. D'accord. Ah, c'est parce que c'est mieux qu'avant? Peut-être le faire ici. Hein. 2 ans. Ça va, ça le fait. Et attendez, je peux pas. J'ai pas du monde en tôle là que je peux rançonner. Ah, c'est nul. Putain, c'est nul à chier. Si je l'exécute, ça fait quoi? Ça me donne même pas de. Venir en même sens, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh putain, il est bon en martialité lui! Vas-y, je le recrute. Vas-y, je le recrute et je le mets en. Je dis ça, mais je sais pas qui j'ai en. Au conseil. Il est comment lui? Franck Provost. Oh, il a 16, hein. Il est bien aussi. Hein. Je vais garder Franck Provost. Le conseiller Traplan est au rapport. Hein? Il n'a d'autre choix que d'accepter. Hein? Attendez, il s'est passé quoi là? Oh le bâtard! Ah non, c'est inacceptable. Comment j'ai pu me faire piquer ça? Ah non, je vais lui casser la gueule, hein. C'est inacceptable. Hein. Putain, mais je... C'est chiant! Putain, mais quel emmerdeur! Et puis il m'a repris le Sutherland, ce bâtard, en plus. Oh, c'est relou, hein.
Ouais, après, il pue le sexe, hein, faut dire. Il est pas très bien loti, le mec. Hein. Attendez. Je peux pas faire... Non, je peux pas faire le royaume d'Écosse, là. J'ai pas de prétention là-dessus. C'est chiant qu'on puisse pas prendre... Parce que moi, j'aimerais bien reprendre ça d'un coup, en fait. Ah, ça fait chier. Putain, je l'ai pas vu venir, ça. Hein. J'ai même pas eu d'averto. Vous pouvez déclarer des guerres. Ouais, bah, tu m'étonnes, oui. Tu m'étonnes que je peux déclarer des guerres. Non, mais le Sutherland, ça pue. Putain, c'est relou. J'ai pas trop compris le délire. Hein. Je vous cache pas que là... Je sais pas pourquoi... le Earl Murray. Je vais m'emparer d'un comté de jure et je vais reprendre Moray parce que je me semble que j'avais pas mal développé Moray. Wesh Moray. Sinon je fais ça pour rallier tout ça là. Oh c'est relou putain. Après j'ai plein de prestige donc je peux me le permettre mais... Oh putain chiant quoi. Je sais pas si je peux taper une guerre par ricochet pour éviter de... Oh, putain, mais casse-couille, quoi. Genre, j'ai que ça à branler. Comment est-ce que je peux revendiquer ça d'un coup? Parce que c'était à moi. Y'a qui, ici? Propriétaire du comté. Ah, il l'a récupéré en perso. Donc, c'est-à-dire que je le reprends. Remarque, c'était un comté qui foutait la merde, donc c'est pas plus mal. Je pense que je vais reprendre Moray. Hein. Je vais vérifier combien ils valent, mais... Ah, celui-là vaut plus, hein. Il vaut plus de fric, celui-là. Putain, chiant. Chiant à max. Je vais reprendre ça, puis je reprendrai Moray derrière. Wesh, Moray. Ah, oh, tu me casses les couilles, mec, hein, c'est... Je vais reprendre Inverness dans un premier temps. Alors, où est ma... Ah, oh, c'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Il a mis sa capitale là, carrément. Oh, le sale histoire, la sale histoire, un sale bail. Hein. Bah, viens, l'Islandais, viens, hein, qu'on en parle. Tu feras rien, mec, tu vas juste te faire poutraver à domicile. Il envoie des troupes ou il s'y branle? Je sais pas. Ah, il est en train de perdre une guerre. Pour lui aussi. Comment ça, pour lui aussi? S'il perd la guerre. Attends, j'ai pas compris, comment ça? Ah oui, il sera dans le mal, oui, d'accord. Bon bah, il va la perdre, là. Hein. Là, il va la perdre, ce con. Ça, c'est une certitude absolue, ça. Ça, c'est une certitude absolue qu'il va la perdre, et très vite. Oh, il est mignon. Il essaye. Ouais, ça lève, hein. Ça, il va lever 700 troupes, je pense. Peut-être un petit peu moins. Je sais pas. On va voir. Bon, ça va pas durer longtemps, on va leur tomber dessus très vite. Hein. Ah bah c'est bien, mon lapin, c'est bien, amuse-toi. Hein. Voilà, c'est bien, casse-toi. Hein. Putain, mais quel connard. Mais comment il a fait ça? Ça, c'est le genre de truc qui me rend un peu dingo parce que... C'est le genre de truc qui me rend toujours un peu dingo. Bon, je vais pas appeler des alliés à la guerre, là, ça va. Ah, je fais rançonner, c'est bien. Quoique... C'est son héritier. Ouf. Et si je l'exécute, il se passe quoi? Attendez. Pause. Ah bah, c'est bien. Usurpation. Ah d'accord, ok. C'est vrai que je pourrais usurper. Comment qu'on fait ça, déjà? Non, mais il faut usurper sur une zone, c'est ça? Je sais plus comment on fait pour usurper. Je l'avais fait, mais... Il y a tellement de menus là-dedans que...
Ou c'est dans pays peut-être. Je sais plus. J'en souviens plus. Merde. La prisonnière est morte en... Oh merde, je pouvais la rançonner, j'aurais dû la rançonner. Ou c'était pas elle? Non, c'était pas elle. Non, c'était lui. Et lui, je peux le rançonner, mais contre une faveur, je m'en fous. Et si je l'exécute... Ça me coûte juste de la foi, mais ça me rapporte rien. Et si je l'exécute, lui? Ah ouais, ça me coûte... Mais ça me rapporte de la redoutabilité. Il va me haïr, par contre. Hein. On va voir. On avisera. Il risque pas de crever tout de suite, de toute façon. Sa guerre, il va la perdre. De toute façon, c'est certified. Hein. Parce que ça, c'était un gros duché, ça. Hein. Ah, je peux demander une revendication? Ça fait quoi? Ok, revendication solide, d'accord. Mais je sais plus comment on fait pour usurper. Je me rappelle que je l'avais fait, mais... Je me rappelle plus quand. Plus 71, c'est tout. C'est nul. Top. Oui. C'est quoi le trait administrateur? Oh, trop bien. Par contre, là, je vais reprendre un coup de bâton quand... Quand Yeye va prendre le trône. Ce sera pas aussi bien développé que moi, c'est le problème. Oh, ça me rend fou ça, hein. Putain. Ça me fait chier essayer de créer le Drukerland unifié là, et on m'emmerde. Ils sont pas gentils avec moi. Bon, je vais le rançonner. Jamais assez de fric. Je peux déclarer la guerre à l'anglais? Oh, c'est nul, hein. Oh, c'est vraiment nul à chier, hein. Comment ça, je peux l'emprisonner légalement? C'est révolté contre moi, déviant. Mais c'est bon, il m'aime bien, là. Il va pas faire de faction contre moi. Il en a fait une? Non. Moi, je vais pas l'emprisonner. Il doit être chez toi. Bah, s'il est chez moi, je vois pas trop où. Hein. Je cache pas que là, je sais pas où il est parti avec ces 500 connards là, mais. 74 à 20. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Hein. Pas de bataille? What the fuck? Ok, j'ai pas compris. Hein. Alors que j'occupe ces terres là. Oh, c'est bien, que l'hameçon expire, hein, je m'en fous. Mais ça remonte. C'est parce que tu as délivré son fils. Ah putain, j'ai rançonné son gosse, j'aurais pas dû. Ça m'apprendra. Attends la fin des guerres avant de faire ça. C'est rien. C'est rien de ça. On va, comme d'habitude, hein, on va envahir. Je vais disperser mes troupes. Et je vais attendre qu'il lâche l'affaire. Il le fera. C'est qu'un con, de toute façon. Bon, regarde, ça monte tout seul. Je fais rien, ça monte tout seul, quasiment. Voilà, on va prendre Bushan, là. Dernier train pour Bushan. 36% prisonnier capturé lors d'un siège. C'est bien. J'aurais pas dû libérer son fils, mais c'est pas grave. On va aller prendre le Sutherland, là. On va le faire chier. Hein. Jusqu'au bout, on va le faire chier. Et de toute façon, le score de guerre va augmenter tout seul. Et ensuite, j'aurai juste à disperser l'armée et attendre, comme un canard. Mais vraiment, hein, comme une raclure de bidet. Et ça montera tout seul. Vous êtes connu pour votre dévouement et votre foi, très bien. Ça se passe comment, la croisade, là, d'ailleurs? Ça a pas l'air de se passer dingue, hein. Pas l'air d'être dingo, là, hein, ce qui se passe. Oh, la France, elle s'est fait défoncer. Hein. Une voleuse parmi les domestiques. Ah, puisque j'ai une raison légitime, ce ne sera pas considéré comme de la tyrannie. Ah, mais je n'obtiens pas de redoutabilité, c'est nul. Faire preuve de miséricorde et gagner sa loyauté. Mais si elle fout rien, elle. Ouais, rien à foutre. Je vais lui montrer ce que c'est que la vraie fin. Ah, je la tue. Mais là, ça me rapporte la même chose, elle perd juste de l'opinion contre moi.
J'en ai rien à foutre. C'est d'accord. Connasse. Ah, j'ai lavé le cul contre zéro troupe, c'était pas clair ça. Hein. Ça, c'était pas clair. Hein. J'ai de l'attrition, j'ai beaucoup d'attrition, c'est ça? Oh ouais, la vache, putain. Oh, l'attrition mensuelle, manque de provisions, mais comment c'est possible? Ah, c'est parce que c'est... La terre est... J'ai pas de connexion directe. Pas grave, hein. Je vais me casser, et puis... Je vais juste prendre ça, puis ensuite je me casse, et salut, quoi. Easy. Butin 9. Ah ouais, c'est un peu nul, hein. Ah, ça y est. Ça y est, Iradine, ce gland. Iradine, il veut mon fion. Ouais, vas-y, vas-y, on va s'amuser. Tu vas voir, on va s'amuser. En plus, je suis chez lui, là, donc... Ah, par contre, là, avec mon... l'attrition, c'est catastrophique. Hein. Ce que je perds comme troupe, c'est méchant. Hein. Faudrait pas que je tombe... Ah, par contre, je suis repassé en positif, ça n'a aucun sens. Hein. Oh oui, l'église, oh oui. Oh, mais c'est bon, ça va passer. 34 jours max. Il l'aura jamais, hein. Il l'aura jamais avant moi, ça c'est certifié. Certified disquette. J'hésite à passer à l'assaut, mais... Voilà, allez, salut. Et je vais lui casser la gueule, et ça va très bien se passer. Ah, il a levé des armées, là. Il a essayé. Il a essayé, le man. Il se barre, il se barre. Oh là là, on va le pranker, vous allez voir. Je sais pas si je l'aurais attendu, par contre. Hein. Oh oui. Oh oui, 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 dépêchez-vous par pitié. Ah merde, elle est morte. Votre connaissance a péri. Il faut que je Attendez. Faut que je recrute un médecin à la cour. Il fait chaud dans la maison. Ah et du coup, il faut que je trouve un autre tuteur. Bah, Prince Galéo, évidemment. Vous pouvez emprisonner légalement, mais je veux pas emprisonner Ghost Patrick de ses morts, là. Bon, c'est ok. C'est sous contrôle. Bon, fou. Faites ça à la cour. Alors. Isla, oui, d'accord. Je vais le prendre, elle, hein. La castagne, oh oui, oh là c'est la castagne. Putain, par contre ça a coûté très cher, hein. Ça a coûté très très cher. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui sont en déroute. Ouais, c'est bien. Et ben on va le suivre gentiment, puis on va lui casser la gueule. Hein. De toute façon là, en termes d'appro, il est à l'ouest. Attendez, il faut que... Du coup quoi, tâche terminée. Ah, c'était le contrôle comptal. Ah bah on va améliorer les hébrides, hein, parce que c'est le bordel les hébrides. Je sais pas où tu vas, mec, mais je vais te suivre jusqu'au bout de la nuit. Hein. Et je vais aller te casser la gueule, hein, je te le dis. Je vais essayer de se barrer. Ouais, il va se barrer. Il va se barrer à l'île de Man. Il essaye. Hein. Non, mais il essaye. Bon, après, moi, je suis pas en négatif. Hein. Je suis quand même en positif malgré le ravitaillement des troupes. Ça me va. Il va vraiment lever une armée avec 6 pécores. Ouais, il y croit. Hein. Il revient. Il revient. C'est mon moment. Ah, très bien. Vite, vite avant qu'il embarque. Oh oui. Ah, t'es plus de soirée direct. Grave. Pétage de gueule. Je lui casse le derrière. Je lui suce le derrière. Je commence à le prendre. Et à lui sucer le derrière. Ah, il a not feeling so good, Mr. Stark? Non, pas du tout. On n'arrivera pas à le rattraper, je pense. Hein. Là, ça va jouer au chat et à la souris pendant 1000 ans. Ça va être chiant. Je pense qu'on le rattrapera pas. On va aller se battre en Angleterre, vraiment, c'est ce qui va se passer là, c'est réel. C'est réel. On va aller se poster là, c'est bien. De toute façon, moi je fais du fric, hein, je m'en fous. Ah, je peux choisir un tuteur pour Estrée, très bien. Eh bien, ce sera Isla, ma médecin de la cour. C'est quoi ça?
Qu'est-ce qui branle ce con là? Il se barre. Ok, il rentre chez lui. Notre culture a découvert fascination. Ok, une autre peut être choisie. D'accord. Comment je fais pour choisir ça? C'est où? Dans le pays? Pas du tout. 100%. Ah, bien vu. J'avais pas fait gaffe. J'appuie mes revendications. Non mais merde. Au bout d'un moment, vous me faites chier quoi. Et je disperse. Heinrich? Une postiche. Le fiancé de Pivoine. Oh merde. Ah bon bah il va falloir que je la remarie hein. C'est pas grave hein. Je vais la remarier hein. Moi dans l'absolu ça me dérange pas hein. Ça lie à quelqu'un de puissant. Ah un français. Bon il accepte limite hein. Ça, l'acceptation est vraiment limite hein. Et qui eux? Ah, c'est des Anglais. Maréchal du roi, ok. On peut essayer ça, hein. On va rester sur l'anglo-saxon. Il bégaye. Il y a un risque de. Ok, non, on annule. Annule, abort mission. N'a pas choisi l'archevêque en tuteur. Non, pour des raisons assez évidentes. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai marié au français. Hein. C'est accepté limite, mais c'est accepté. Hein. 1% c'est 100%, c'est bien connu. Oh, magnifique, je suis allié avec le français. Bon, en même temps, le français, il tire un peu la gueule. Hein. C'est pas dingo non plus. Je peux demander de l'or au pape. Ah bah vas-y. Faible contrôle contact en comptable en hiver. Ouais. Oh là là, je dégueule de fric là, c'est cauchemardesque. Hein. Le contrôle comptable est vraiment dégueulasse là. Tu vas. Attendez. Vraiment là, il y a beaucoup plus de travail ici que 10 ans. Oh, putain, au secours quoi. Je peux pas recruter un mec. Ah, c'est quoi ça? Putain, mais ça c'est pareil, j'ai rien branlé là. Antiquaire. Les effets varient selon les compétences. Réduction du délabrement des artefacts. Maître de chasse, ok. Grand aumônier, sénéchal, augmentation du contrôle. Ah ouais, ça c'est bien ça, ça j'aime bien ça. Et ben mon sénéchal ce sera... ce sera Galéo. Il faut qu'il ait quoi comme qualité de la martialité? Selon la compétence. D'accord. Repose sur la compétence, mais c'est comparé à quoi? Il a quoi comme compétence lui? Dépensier indulgent. Soldat endurci. Compétence moyenne. Ah d'accord, ok. J'ai pas de mec vraiment bon. Très très bon quoi. Je vais peut-être prendre L. Non, je vais mettre Galéo, c'est bien. Plus 0,3. Ah ouais, bon c'est bien hein. Maître de chasse, grand aumônier, échanson, bouffon de la cour. Le bouffal. Visant à réduire le stress, antiquaire. Bon, l'antiquaire, ça m'intéresse pas trop. Peut-être que le grand écuyer, c'est bien. Oh, Franck Provost. Ouais, d'accord, Franck Provost, c'est d'accord. Du coup, poste vacant au conseil. Ah non, il a le droit d'être Franck Provost aussi. Faible contrôle des hybrides. Ouais, mais de toute façon, ça peut pas être pire que Ivernes, là. Ivernes, c'est dramatique. Hein. C'est zéro, quoi. On est sur du zéro bien tassé. Décider comment m'appeler. Après avoir passé d'innombrables heures à étudier de près les livres de comptes et à gérer la... Ma cour, ma méticulosité a finalement porté ses fruits. J'ai rendu mon pays plus prospère qu'il ne l'a jamais été. Un dirigeant aussi capable que moi devrait être connu pour ses accomplissements. Je vais obtenir de la peine. De la piété, pardon. L'architecte. Ok. Se souviendra de moi le juste, le législateur. Provost multiple casquettes et toujours à petit prix. Tout à fait, Silas. Je pense que je vais prendre l'architecte. Je vais prendre... Ah, quoique j'ai pas beaucoup de piété, je vais prendre de la piété, c'est bien.
Arrêtez, putain, JPP. Ok, bon, le Norvégien m'a cassé les couilles, hein. J'avais plus de terre que... Ça sort tout ça. Ah, c'est le Lothian. Il est pas en prison, Provo, d'ailleurs. Non, non, il est pas en prison, hein. Franck Provo, c'est mon sbire, hein. C'est mon laquais, le man, hein. Il m'a pompé le dard, hein. Lui, il m'adore. Il n'y a aucun... Le djihad. Oh. Merde. Et merde. Ils viendront pas. De toute façon, j'ai quasiment rien donné aux croisades. Le Saint-Empire romain germanique, il a bien poussé, là. La France, c'est n'importe quoi. L'Empire byzantin, il est toujours là. Ok. Terrible, hein. Drama. L'Angleterre, c'est la merde, hein. Béortric, oh là là, Béortric, cette baltringue galactique, quoi. Bon, le Norvégien, je suis en trêve avec lui pendant combien de temps? Hein? 5 ans, oh, putain, c'est long. Faut que je récupère l'île de Man, hein. Il a pas d'allié en plus, ce gland. Ils ont Ivar. Fiongal, oh, ben, on va envahir l'île de Man. On a plein de fric en plus, j'ai que ça à foutre. Ah, j'ai une prisonnière morte. D'ailleurs, j'ai quoi dans mon cachot, là? Je peux rançonner personne. Oh, c'est nul, là. Prison depuis 2 ans. Stop. On a perdu des terres. Tu veux pas attaquer la Norvège? Bah, j'aimerais bien attaquer la Norvège, mais je suis en trêve avec lui. Parce que je viens de l'attaquer. Et je peux pas... Je sais plus comment on fait pour usurper. La Norvège nous l'a mis à l'envers, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en gros, il a repris ça, là. Ce bout-là, l'Hiverness, ces deux trucs-là, et le Sutherland. Et je pense qu'en fait, il a récupéré le Moray, là, le duché de Moray, il a réussi à devenir son seigneur liege. Parce que le mec m'aimait pas trop. Et je sais pas, il en a profité un peu pour me casser les couilles. Après, c'est pas grave, on a pris un bout de l'Irlande, je sais pas par quelle action du Saint-Esprit, mais on l'a pris. Je pourrais envahir l'île de Man, hein. J'ai une revendication sur l'île de Man, je sais même plus. J'ai une revendication sur l'île de Man. Bon, je vais faire ça, hein. Ça, c'est vraiment la guerre gratos, hein. Ça, c'est vraiment la guerre, mais gratos. Le Mon. Bah, qui crève, hein. Vous pouvez exiger un paiement à Galéo McDrucker? Comment ça? Je vais pas lui... Je vais pas demander à mon fils de me filer du fric, quand même. Vous avez pas honte? Ça cible les paradis fiscaux. Ah ben, grave. Vous pouvez déclarer la guerre au roi Béo... Ah, je peux vraiment lui déclarer la guerre. Oh, je lui pèterai sa gueule, en plus. Mais ça me sert à rien, parce que j'ai pas de revendication. Est-ce que je pourrais, genre, usurper son titre de royaume de roi d'Angleterre? Putain, ça, si je fais ça, c'est un Delbor. Pur bordel, quoi. Ah oui, là, ça attaque les paradis fiscaux, ça y va. Hein. Bon, déjà, ça va aller très très vite. Hein. Ça va se perdre très très vite. En même temps, vu qu'il y a Franck Provo, là, qui est vénère. Not feeling so good, Mr. Stark. Hein. Déshériter le fiston. Mais non. Faut le déshériter, le gamin. C'est un bon gars, en plus c'est mon grand écuyer ou je sais plus quoi là. Faut lui pourrir la gueule, ce serait odieux. Ça n'aurait aucun sens de faire ça. Alors que mon magnifique crâne chauve disparaît. Allô? Allô? Allô la lumière? Attendez. Je vais aller dans Logitech G-Up, je vais baisser l'exposition parce que là c'est... Drama! Oh drama! Voilà, très bien. Pas non plus des marabouts je pique. Faudrait que j'achète des lights qui soient pas orange, ce serait bien. Visiblement, ça coûte cher, quoi. Je sais plus comment je fais pour usurper, parce que ça, c'était à moi avant. Enfin, c'était un de mes vassals. Ouais, c'est la victoire. Attendez. Oh.
Comment j'avais fait pour usurper? Quelqu'un se souvient de ça? Petit royaume de Mor... Ah, voilà. Le petit royaume de Weshmoret. Vous avez seulement deux comtés sur quatre requis. Ouais, faut que je prenne Moray. Ouais, mais ça va être long, ça va être archi long, ça va être super long. Ok. Hop, salut mon pote. Let's gong. Il m'aime pas, Fiongal. Mais vous allez voir, il va m'aimer très vite. Vous pouvez rançonner tomate. Ah bah vas-y, file du fric. Je peux créer le duché de Man. Non, pour l'instant, on va laisser. C'est un sale coup de créer des duchés à chaque fois. J'ai un de ces frics. Peut-être construire des trucs ici aussi, hein. Augmenter mes impôts. Ah, et ça fait maçonnique. Oh, les francs-maçons. Une guilde de tailleurs de pierre s'est établie dans le Earldom de Gowri. Avoir des artisans dévoués à mon service pour aider la région à prospérer. Alors, un accord très favorable. J'obtiens tailleur de pierre coopératif pendant 20 ans. Le contrôle comptable change à plus 20. D'accord, ça c'est sympa. Ouais, c'est cool ça. Non, non, je suis pas blindé. Ah, je suis pété de trucs. Pété de fric. Obtenez-moi leur allégeance. Oh, ça va mal se passer ça. Main d'œuvre paysanne. Non mais je vais conclure un accord avec son chef. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Caserne. Caserne c'est bien mais il faudrait que je... Enfin après je suis claqué de fric, je peux peut-être me permettre... Ah! Nous avons obtenu un accord. D'accord, bon bah... Je peux trouver des maçons moins chers ailleurs. Bon, le contrôle comptable, il est si mauvais que ça ici. Attendez. Il en est où là? Non, il est à 100%, j'ai vraiment pas besoin de contrôle comptable. C'est bon, 110, je peux me le permettre. Ah puis alors, d'ailleurs, attendez, faut que je construise des trucs ici parce que le temps de construction est réduit du coup. Ferme de colline, c'est pas mal. Caserne, c'est cool. Les guildes? Croissance du développement, plus 5, trop bien. Ah, je peux faire un port? Port, c'est cool, hein. De pâturage, c'est sympa aussi. Hein. Vas-y, on fait ça, c'est bien. Notre bâtiment est en construction. Et est-ce que je peux pas créer une propriété? Je pourrais faire un temple. Ferveur catholique augmente de 1. Ça coûte beaucoup d'argent, par contre. Je vais peut-être pas le faire. Je vais continuer de gérer mes acquis. Bon, ici c'est blindax. Après je peux améliorer des trucs aussi. Et que ça je l'oublie trop souvent mais... Je peux améliorer des trucs quand même. Niveau 2 ça donne quoi? Oh c'est bien. Sympa. Vas-y. Vas-y. Je suis en train d'améliorer un truc. Et ici, ah ouais, sympa. Ok. Bon, je fais 15 de fric par mois après. C'est ridicule. C'est un petit peu ridicule. Ah, attendez. Il faut que je... Ça, j'ai encore oublié de le faire. Il faut que je promeuve la culture. Pour qu'on ait une culture bien écossaise, bien partout. Bah, genre à Inverness. Quoi eux? Cumbrien, ok. Je pense que je vais faire mon noyau dur là. Voilà, c'est bien. Ça va durer combien de temps? 10 ans, oh, c'est long. Qu'est-ce que c'est long, dis donc. Et je peux pas usurper le titre de Moray parce qu'il me manque ces deux là. Ouais, donc en fait ça sert à rien parce que. Royaume du Drakkarland, mais c'est marrant parce que j'ai des... J'ai
J'ai la revendication sur le petit royaume de Moray, mais je peux pas l'usurper à ce gland. Je peux pas lui usurper parce que... Empire de Grande-Bretagne, on est là-dessus vraiment. Petit royaume de Moray. Ah non, mais il y a ça aussi. Ah si, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant que je prenne... Ah, paysans du Earldom sont de bonne humeur, la récolte est abondante, les routes sont sûres. Les anciens du village racontent que des histoires insensées à propos des vaches qui produisent du lait mielleux et des oies qui pondent des œufs en or. Les paysans me louent pour leur fortune. Ont envoyé une délégation avec des cadeaux. Intriguant, envoyer des soldats chercher plus de cadeaux. Ah, le bâtard. Ah, j'obtiens du stress parce que je suis tempéré. Le niveau de contrôle baisse, non. Réinvestissement comptable, ça fait quoi? Croissance du développement. Mais il est où ce Earldom? Ah, ok. Ils ont plus besoin de leur surplus que moi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas besoin de ce fric. Hein. Et le fric que je fais... Ah mais j'améliore des trucs en plus, ah bah oui. C'est bien, vous êtes des gens bien mes lapins. Les chiens trèfle contre lui. Pendant combien de temps encore? 3 ans. Je veux juste tester un truc. Je veux voir ce qui se passe si je romps la trêve avec lui. Parce qu'il se fait péter la gueule là quand même. Alors je pourrais prendre le Sutherland. Ça me donne des revendications là-dessus. Ou Moray, hein, quitte à reprendre un truc, autant prendre Moray. Je dépense plus de prestige, je perds un niveau de gloire, j'ai brisé la trêve. Ouais, opinion générale. Ah non, c'est sale. Hein. Oh là là, c'est sale de faire ça, je veux pas le faire. Je peux le faire, mais il faudrait pas de trêve en fait. Moi, je voudrais pouvoir reprendre tout ça, quoi. Après, ça pourra m'aider à reprendre les orcades et ces conneries, mais. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ah non, mais même pas, les orcades, c'est dans le. Ok, donc en vrai, il faut que je reprenne les deux là, ça me donnera assez facilement les deux là. Pas dingue, mais pourquoi pas. Pas dingue, mais pourquoi pas. Ouais. Bon, l'île de Man, c'est bon. Sinon, je pousse en. Fiongal, ouais, Fiongal il m'aime pas. Hein. Sinon je pousse en Irlande. Hein. Et les factions ça donne quoi? Ah il pue la merde. Hein. T'es qui lui? Ah Fiongal, bah Fiongal est dedans mais en même temps Fiongal il est toujours dans les sales bails. Non mais lui, là ça je sais pas d'où ça sort ça. Hein. C'est juste parce que c'est mon vassal mais... Ah, je vais encore pondre un gosse, super. Sinon, je pousse sur l'Irlande. Chier de Ulster. Allez les gueux, on se bouge. Hein? Hein? Exactement. Bande de gueux. À l'intérieur du pays, de votre pays, Earldom de Ulster. Ok. Ça fait un gros Mickey quand même à Slav. Hein. Donc je peux pas l'usurper parce que j'ai pas assez de... Royaume d'Irlande. Oh, si je peux usurper. Petit royaume de Munster. 8 comtés de jure nécessaires, actuellement 2. Royaume de truc Irlande. Hein? Ah, sinon, je me lance dans une guerre contre l'Angleterre. Comment je peux faire pour usurper son titre de mort, là? Attendez, parce que... Votre connaissance a péri. Ah, c'était le fiancé d'Estrée. Faut que je la remarie encore une fois. And again. Quel que j'ai, là? D'accord. Ok. Il me faudrait un autre comté. Ah, déclarer la guerre à l'Angleterre, c'est un sale plan, hein. Après, l'Angleterre est tellement cassette que... Il n'a pas beaucoup de troupes. J'en ai plus que lui, c'est pas mon allié, c'est qu'un gland. Après, j'aimerais bien, mais c'est peut-être un peu audacieux, quoi.
Il me manque combien là de compter? Oh, il m'en manque 21. Pourquoi pas le reste de la France? C'est loin, c'est trop loin. C'est trop loin. Trop trop loin. J'aimerais déjà faire un truc un peu unifié parce qu'aller récupérer des terres ça et là, c'est déjà chiant en Irlande là. Il fait rien. Tu vas fabriquer une revendication sur Auriel là. Ou sinon sur Moray. Revendication ducale. C'est une revendication fragile. Vous avez une revendication sur ce comté. J'ai déjà des revendications là-dessus. Je faisais Auriel, admettons. Je sais pas si l'Irlande c'est une bonne idée parce qu'ils vont me casser les couilles, mais. Non, attends. Peut-être essayer plutôt l'Angleterre. L'Angleterre. Je cherche trop la merde. Hein. Je cherche vraiment trop la merde. Hein. Il a une sale gueule. Hein. Autoflagellation, parricide. Il a tué le père. Il est blessé. L'Islande, hein. Sinon je vais chercher l'Islande. C'est complètement con. Hein. Il a perdu la guerre. Ah ouais? Oh putain, il se fait péter la gueule. Hein. Oh, il se fait péter la gueule. Tu peux pas l'assassiner. Ah merde. Ah, je sais pas trop ce que ça changerait, hein, mais... Assassiner. 80 en troupes. Oh putain. Ah, le problème, c'est que j'ai 5% de chance, quoi. C'est le souci, en fait. Je sais pas si ça changerait grand chose de l'assassiner. Ouais, je peux essayer, pour un peu pour la blague. Je vais juste attendre que ça, ce soit... Ouais, parce que l'île de Man, il m'aime vraiment pas. Il a fait une faction contre moi. Hector! Oh, un fils. Après, son royaume part en morceaux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, je vais essayer ça. Il s'est passé quoi au nord? Bah, au nord... en fait, j'ai pas trop compris, mais il a récupéré le duché de Moray. De Wesh Moray. Le roi de Norvège. Je sais pas trop par quel miracle. Attendez, on a Goodwin, ce sera Dalian. Vous n'avez pas honte? La Norvège a usurpé ses terres. Mais en plus de ça, ils avaient rien. Je sais pas comment ils ont pu faire, ils avaient pas du tout ce qu'il fallait. Bref. Pas grave, hein. Vous pouvez créer du Shedman plutôt crevé. Ah, je peux choisir un tuteur pour Aslev. Oh, Isla, médecin de la cour. Mais elle tute déjà, hein. Non? Il est influencé, très bien. C'est moi, bah oui c'est toi, choisis bien. Bah, je te mets quelqu'un de bien, hein, pour faire le connard. Hein. Je grandis vite. Ah hein oh, oui, il grandit si vite. Je vais essayer de l'assassiner, l'autre con, même si j'y crois pas trop. Hein. Comment est-ce qu'on peut améliorer son complot Bientôt on ira poutrer du français. On va déjà essayer de poutrer de l'anglais et de récupérer, d'unifier l'Angleterre. Sous l'égide du Drukland. Ça se travaille, ça se travaille. Il faut la grignoter par le nord. Enveloppe rose à droite. Ah ouais. Mais comment je peux augmenter? Je peux inviter des gens dans le complot? Oh, 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 ça refuse. Hein. Pourrait être convaincu. Personne ne veut. Personne ne veut. Inviter. Non mais personne ne veut. Ah, je peux inviter sa femme. Elle refuse pas de beaucoup, hein, quand même. Faut payer. Du coup, quoi, en fait? Je pourrais lui envoyer du fric. Ah, je peux la soudoyer. Ouais, le me pourra des masses, quand même. Hein. Trop loyaux, hein. Ah, je peux les soudoyer en les payant. Les gens de sa cour. Ok, vas-y, j'essaye ça, c'est bien. C'est pas, ça me coûte pas si cher au final. Vas-y. Voilà. Mais j'avais que ces deux-là, hein, je crois. Ah non, il y a encore elle. C'est son invité. Et je la soudoie. Et allez, 150 boulaises qui partent comme ça. Oh là là, oh là là, le pur Delbor. Oh, putain, mais c'est que ça peut marcher, là. C'est que ça pourrait marcher en vrai.
Oh, ce serait énorme. Si on l'assassine, ça claque la moula. Après, j'ai vraiment... J'en ai à plus savoir qu'en foutre de la moulaga. Hein. Mets ton maître espion, soutenir le complot. C'est bien, ça. Ah ouais. Ok. Ah oui, la vache. Ok. Ok, j'avais pas compris ces trucs-là, mais d'accord, très bien. Ça va progresser très vite. Discrétion 83%. C'est bien ça. Ça j'aime bien ça. Oh là là, si on arrive à l'assassiner, ça peut très bien se mettre pour moi. Je peux débloquer un atout de vie. Ok. Impôt du pays, contribution en impôt du vassal. Très bien, profit de guerre, revenu mensuel en temps de guerre. Ah ça c'est cool ça. C'est mon domaine. Non, je veux pas extorquer les sujets, je vais prendre les impôts. Ah ouais, ça fait quand même plus 1 quasiment. C'est bien, non mais ça me va. Hein. J'aime bien quand ça prend ces proportions-là. Le pauvre quand même si ça fonctionne. Oh si ça marche Après si ça marche, les chances de réussite sont pas non plus... Il a des princes... Il a pas... Oh, il a que des filles. Ah non. Non mais ces gosses, c'est qui son héritier? Ah c'est son héritier. Ouais mais son gosse... Mais du coup s'il meurt, ça veut dire que la trêve elle saute? Parce que j'ai une trêve avec lui mais pas avec ses gosses. Pire connard. Qu'est-ce qu'il est en train de l'assiéger? C'est des pécores? Oh les pécores. Logiquement oui, d'accord. Proposer une alliance. Attendez, stop. Malgré l'absence de lien du sang... Je crois que nous avons tous deux à gagner d'une alliance. Je propose que nous unissions nos forces pour combattre notre ennemi ensemble. C'est une bonne idée de signer une alliance avec lui, sachant que je vais l'envahir. Et son royaume explose. Je sais pas si c'est une bonne idée de signer une alliance avec lui, parce que ça reconnaîtrait un peu sa... D'une certaine manière, ça va reconnaître son indépendance, donc je pense qu'il faut pas, en fait. Parce que derrière, ça veut dire qu'il faut que j'attaque un allié, c'est une sale idée. Ça me paraît... Je décline. Je board mission. Désolé frère, mais tu seras tout seul. Refuse. Oui, non, mais je me doute que c'est pas... C'est du sale bail. Ah, bah... Elle est morte. Elle n'avait qu'à pas voler, hein. Il va vraiment se faire péter la gueule avec son siège de... Les révoltes paysannes chez lui, Pierre d'Albor. Hein. Moi, je veux juste voir s'il va canner. Oh, il reste 4 mois. Je veux juste voir s'il va crever. 68%, c'est 100%. Ah, 5 mois. Ah, c'est... Ça ralentit. Ah, Fiongal. Ah, ça y est, Fiongal me love. Il est in love de moi. Bon, je pense que je vais annuler pour Fiongal. C'est bien. Pas besoin de plus. Et au niveau des factions, ça donne quoi? Fiongal est toujours dedans. Hein. Je vais peut-être l'influencer, lui. Un agent a quitté le complot. Oh merde. Ah, un agent a rejoint le complot. Oh là là. Oh là, attendez. Attendez. Mon agent, la duchesse, il a, je sais pas comment ça se prononce, s'approche de moi. Un tas de parchemins dans les mains et s'exclame, j'ai trouvé de vieux croquis d'architecture du château du roi. Ils sont peut-être un peu dépassés, mais regardez regardez ici. Si seulement j'avais plus d'endroits secrets. Faites venir mes architectes. Le complot progresse. Après, le complot... ouais. J'ai perdu en pourcentage parce que j'ai perdu un agent, là. Obtient de la progression. Je vais essayer. Mes agents ont acquis une poudre discrète qui ne laisse aucune trace lorsqu'elle est dissoute dans la boisson. Les serviteurs chargés de remplir et de manipuler le verre valide ont été soudoyés pour détourner leur regard. Il ne reste plus qu'à obtenir mon accord pour verser en douce la poudre. À 59%, le complot est découvert. Oh. Ah, je lève mon verre. Ah, mais non. Oh, l'en... Putain. Putain, quel bâtard. Il a obtenu vigilant. Une de ses filles de cuisine a bu une gorgée. Oh, c'est con. Putain, c'est dommage. Il a survécu, mais à quel prix? Il est toujours aussi moche. Hein. Ah, bâtard.
Met fin au complot. Il obtient vigilant. Vous avez obtenu un secret tentative de meurtre. Ah merde, c'est con. Ouais, mais le problème, c'est que s'il est vigilant, résistance au complot hostile, plus 5, je sais pas si ça va bien se passer. Je fais quoi, là? Je retente? Ah, c'est fini, j'annule. Abort mission, quoi. Non, mais c'est mort. Je mets fin au complot, et puis c'est tout. De toute façon, il est en train de se faire paysanner là. Ah, 10 ans. Hein. 10 ans, quoi. Il est en train de se faire paysanner ce con. Il est en train de se faire paysanner cet abruti. Mais il va canner de toute façon. Ah, il a que 33 ans, non, il est pas vieux, hein. Salutations, roi Druidrick. J'ai pas cru les documents anciens, moins certaines. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du Earldom de... Ouais, vas-y, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si je peux faire une petite guerre à l'anglais en attendant, là, à l'anglois. Ouf, ouais. J'appelle mes alliés, quoi. Il a qui comme allié, lui? Ah, là, ok. Champagne. Et moi, j'ai qui? Ah, j'ai Hugues de France. Et Thibaut de Toulouse. On pourrait lui casser la gueule, hein. On pourrait vraiment lui péter sa gueule. On devrait vous péter la gueule. Concentré. J'ai une trêve avec lui pendant encore combien de temps? 10 mois. Ouais, ça va aller vite, hein. Ça va très vite se passer. Et on va prendre Moray. Et c'est sa capitale. Du coup, il aura le somme. Il va être obligé de déplacer sa capitale, etc. Ça l'ambiance. Puis il se tape une révolte paysanne, ce gland en plus. Après, ça m'arrangerait que la révolte paysanne aboutisse à quelque chose, parce que comme ça, ça veut dire que lui, il saute, potentiellement. Révolte ! Putain, mais il est vraiment... Je suis déçu du meurtre, mais moi aussi, mais tu n'as pas idée, mec. Je jure, je suis déception, quoi. Ah, il a déplacé sa capitale. Ah, bah il est mort! Attendez, du coup, j'ai encore une trêve avec lui ou pas? Ah, j'ai... Ouais, la trêve se... Ok. La trêve est transférée, du coup. Mais non, il est pas mort. J'ai rien compris. Ah non, d'accord, la capitale a été déplacée. Ok, ok. Je sais pas ce qui branle. Hein. Je sais vraiment pas ce qui branle. Il va perdre son siège là, hein, de toute façon. Bah, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Hein. Il est déjà tard. Oh, le Delbor, toi. Oh, oh, Ghost Patrick est mort de vieillesse. Oh, il va être dur à remplacer celui-là. Hein. C'est le traître repenti. Ah mais Mac Gospatrick, il est à 20. Oh la vache, il est à 20. Fiongal. Il est zélé. Vas-y. Duc Dolphine. Ok, ok. Ça doit être un vassal puissant lui quand même, je pense. Hein. Earl Murray. Ouais mais Earl Murray, il pue quand même. Hein. Tu pues, mec. Hein. Je suis désolé, t'es un vassal puissant, mais tu pues. Bon, de toute façon, il y a un mec là-dedans. Et c'est une baltringue. C'est une grosse baltringue. Oh, la révolte paysanne. Oh là là, sale ambiance, hein. Des bisous, Ghost Patrick. Salut. Merci de ta fidélité au cours de ces millénaires. On apprécie. On n'oubliera pas. Il faudrait que je développe un peu mes zones, là. Le roi de Norvège est mort, non? Alors non, il s'est fait reléguer au rang de duc de Moray.
Il est de Morlaix, mais... Enfin, de Wesh-Morlaix, mais il est pas mort. Je sais pas trop par quel miracle. Terrain de pâturage. Ferme de colline, c'est cool. Ferme de colline, c'est grave cool. J'avais déjà des trucs ici. Ouais, j'avais un port. Et là, je vais faire terre de pâturage. Une caserne. Je pourrais faire une caserne, j'ai déjà fait un port. Le port, il fait quoi déjà? Il fait de l'impôt. Alors, je pourrais me permettre de faire une caserne ici. Pour me développer, quoi. Après, mes levées ont bien poussé, là, quand même. Ça, c'est un bon point. À Bordine, on peut faire des trucs aussi. Faire méchant. Par exemple. Là, j'ai déjà du fric à plus savoir comment foutre. Faudrait que j'améliore un peu mes levées. Je vais faire un camp militaire. Voilà, très bien. Très bien. Ah, très bien. Ah, c'est le mec qui est dans une faction contre moi. Oui, oui, l'abruti, là. Abruti. Alors, attendez. Est-ce que ma trêve est finie avec eux? Je peux lui déclarer la guerre. Vos revendications... Ah, merde. S'emparer d'un comté de Jure. Je veux le Moray. Le Wesh Moray. Je vais prendre le Moray, juste pour lui faire chier sa race. Et... Où est mon petit... Où est ma levée? Ah oui, parce que j'avais attaqué l'île de Man, c'est vrai. Ça va aller très vite, hein. Ça va aller très très vite. L'invasion du Moray. Du Wesh Moray. Trois mois restants. Ça va aller très vite. Je ne libère personne. Je garde mon score de guerre au max. Je vais éviter les drames. Absolument. Parce que c'est chiant. C'est trop chiant sinon. Ah, ça y est. Il vient. Il vient chercher la bagarre. La castagne. Prisonnier de mon propre corps. Oh merde. Je suis infirme, après je suis vieux. Hein. Je sais qu'en vieillissant tout ira plus lentement. Je savais qu'en vieillissant tout irait plus lentement, mais je ne pensais pas que tout s'arrêterait avant ma mort. Ces derniers temps, je me sens mal et tout me demande plus d'efforts. Au point d'avoir peur qu'en m'allongeant, je ne puisse plus me relever. Il ne fait aucun doute que mon temps est compté. J'ai l'impression que je ne peux rien faire d'autre qu'attendre la douce étreinte de la mort, que la mort me réclame. Bah, d'accord. Hein. J'ai obtenu le... Ah mais je suis mourant, ça y est. Attendez, parce que là, c'est chiant, là. Je vais me flageller. Je suis aussi bon que les autres. Vous obtenez le très sans appétit. Si vous êtes encore stressé dans 5 ans, vous pourriez souffrir d'un autre effondrement mental. Je suis à combien de stress, là? ?137, et là, je perds quoi? 15, c'est pas assez, hein. Mais j'irai chasser, c'est pas grave. Ok. J'ai quel âge? Je suis en train de canner, mais j'ai 68 ans. Je pourrais aller chasser, j'aurai une belle mort. Le problème, c'est que ça va me coûter la peau du cul d'aller chasser. Organiser les parties de chasse, il me semble que c'est pas donné, hein. Je peux peut-être pas le faire d'ailleurs parce que... Ouais, il... Vous êtes... Ok, je suis dans une armée. Oh bah, ce serait bien que je meure de ma belle mort, en héros. C'est plus 5%, c'est tout. Putain, c'est nul. Chasse à court des royalistes, exactement. Mais c'est parce que je suis en siège et que j'ai capturé personne en fait en soi. Ou si, je sais pas, je vois. Si, j'ai capturé du monde, dis donc. Ah oui, j'ai capturé du monde, ouais. Oui, ça va vite changer, cette histoire. Faut que je le suive et que je lui pète la gueule. Pendant qu'il est en déroute. Très important. Ah mais quand ils sont en déroute, on peut pas les attaquer, c'est ça? Moi, je vais envahir un comté, alors. En attendant qu'ils reviennent. De toute façon, il s'est fait poutraver à domicile. C'est qui, eux?
sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils foutent. 4 mois maximum, non mais c'est, ça va aller très très vite. Bon, je vais pas appeler mes alliés. Je peux rançonner Clara, non. Ah merde, j'aurais dû. J'aurais dû, c'est dommage. Pas appeler mes alliés, ça sert à rien. Ouais. Une descendance pour ma dynastie. Putain, mais Yéyé, tu veux pas faire des gosses, là? Un garçon. Bah, ce sera d'ici. Hein, voilà. On va commencer à se voir, hein, sinon. Attendez, mais Yéyé, il veut pas... Il ne veut pas faire d'enfant. Mais putain, mais il a déjà plein de gosses, en fait. Ah, mais si, il a déjà Henri. Putain, mais si. Mais alors, lui, je peux pas choisir le nom de ses gosses, quoi. Je reste en lurk, on va changer les petits phasmes. Ça marche, Aslev, des bisous, merci beaucoup pour ton lurk. Et ils sont des milliers, des bisous, Ada. Merci à vous deux pour le lurk. Amène-moi de la femelle, mais tu... En fait, non, ça... Oh, Pivoine est adulte. Mais tu as une femelle. C'est une appellation particulièrement dégueulasse, d'ailleurs. Je tiens à te le préciser, il est... Même. Oh, aïe, aïe. Non, mais c'est bon, en fait, c'est bon. En fait, il y a pondu des gosses, mais je peux pas changer le nom. Ce qui est chiant, mais c'est pas grave. Oh là là. 41%, ouais, d'accord. Oh bah on va aller lever le siège, hein. Oh, vous allez voir, on va s'amuser. Attention, ça va aller très vite par contre. Hein. Puis après j'arrête, hein. Une fois que j'ai fini cette guerre, j'arrête parce que... Il est déjà tard, il est déjà trop tard. Ah, il se barre. Il a abandonné. Il a lâché l'affaire, il a lâché de l'affaire. Le Sutherland. Oh ouais, j'y crois à mort. Pour le Sutherland. Ah merde. Ah, j'ai rendu l'âme. D'accord. Oh, ça va être la merde, là. Ça va être la grosse de merde, là. Attendez. Stop. Oh putain. Ok. Oh là là, au secours. Chef de la dynastie changé. Pas de mode de vie choisi. Je vais repartir en intendance et du coup j'en récupère un peu. C'est très bien. Et j'avais choisi quoi? Domaine, je crois. Hein. Ou richesse. Non, j'avais choisi richesse, je crois. Poste vacant au conseil. J'ai plus personne du coup. Alors, ok. Ça va très... très, très mal finir. En Galéo, je peux mettre Vassal et Ami. Vas-y, Galéo, c'est bien. Maréchal. Il faut quelqu'un qui soit fort en Marfait. Bah, c'est Franck Provo, évidemment. Franck Provo même encore bien. Ça, c'est cool. Il va absolument falloir que j'occupe tout ce petit monde. Archevêque ne vous approuve pas. Bon bah on va l'influencer. Vous pouvez transférer le prince Adaliant à l'Enox. De l'Enox à la duchesse Christine. Pourquoi je ferais ça? Des vassaux puissants attendent un poste au conseil. Vous pouvez déclarer la guerre, vous pouvez créer du duché de Man. Prisonniers peuvent être rançonnés. Faut choisir un tuteur pour Henri. Ah, Pivoine. Non, il me faut quelqu'un qui soit fort en érudition. Oh, Thomas, très bien. Un petit banquet? Ah bah ça va finir comme ça. Hein. Moins 12 par contre c'est dramatique. Hein. Comment ça se fait? Moi je suis à moins 12. Armée levée. Ah c'est parce que j'ai plus les trucs pour les armées levées là, les bonus c'est ça. Le problème c'est que ça va me coûter très cher ces conneries. Après sinon je fais ce siège là et à 7 mois quand même. Hein. Ça passera pas, hein. Je vais être en négatif. Parce que là, ça va augmenter tout doucement. Au pire, non, mais au pire, je vais remettre mes armées ici. Et je vais les disperser. Et de toute façon, personne ne reviendra. Et mon score de guerre va augmenter tout seul. Voilà, je vais disperser mes armées. Putain, c'est pas la fête du slip niveau thune, là. Ah, attendez, c'est qui, lui? Pour rendre mon rival plus sensible à mes tentatives. Ah, c'est mon archevêque, hein, il me déteste. Hein. Sa rationalité. Bon, il est pas si con. Hein. De toute façon, il me déteste. Donc, je m'en fous.
suis pas ça. Je suis vraiment pas ça après. Ah putain, il revient, ça y est. Quel con. Mais il faut que je m'en fasse un peu de thunes là, parce que ça coûte cher. Ça progresse, ça progresse. Oh putain, fallait pas que ça arrive maintenant. Hein. Ça, ça fait mal. Hein. Putain, mais Henri, c'est un géant aussi. Hein. Je pars sur une dynastie de géants. Oh, c'est relou. Ah, l'effroyable yéyé. Ah. Bon, il me déteste, mais ça va un peu mieux. J'ai pas besoin de plus que ça, remarque. Hein. D'accord, je lui ai fait peur, visiblement. Annule, c'est bien. Casse-toi. Vas-y, casse-toi. On va faire le jeu de du chat et de la souris, hein. Ça va très bien se passer. Je suis quand même moins 0-1, ça se passe pas mal, en vrai. Je vais le laisser là, je vais attendre de voir ce qu'il fait. Ah, il va venir me casser les couilles, là, d'accord. C'est chiant les successions. Mais j'ai rien perdu si ça. Dunbar. C'est à moi ça? Comptez dans le même pays que vous. Oui, c'était à moi ça. Cité occupée par le duc Dolphin. Comment ça le duc Dolphin? Ok. J'ai pas trop compris, mais d'accord. Ah ouais, ok, c'est parce qu'il y a eu un problème de succession ici, d'accord. Il a récupéré quoi, Galéo? Il a récupéré un truc ou pas? Non, c'est mon vassal. Il a récupéré les hébrides, d'accord. Oui, note. Hein. Petite fessée, là, du Norvégien. J'ai capturé des troupes, c'est bien. Je vais revenir là. Il est déjà stressé, ce con, putain, mais ouais. J'ai pas de thunes, de toute façon. De toute façon, absolument pas assez de thunes. Faire une bonne femme pour... On ne saura pas. On ne saura jamais. Non, mais je vais m'arrêter là, je pense que je vais... J'aimerais bien juste que la guerre se termine... Un chouïa plus vite. Il est con, il le fait exprès. Allez, ça c'est ma chance, ça. Si je lui casse la gueule maintenant, il lâche l'affaire, je pense. Ah merde, Franck Provost est mort. Oh merde, putain, Franck Provost. T'étais un bon maréchal pourtant. Hein. Bon, il y a mon chevalier là qui a l'air pas trop mal. Vas-y. Vas-y. C'est la victoire. Oh, 93, putain, mais toujours pas quoi. Encore un autre? Attends, c'est lequel là? Ah non, d'accord. Je vais aller prendre le Sutherland parce que on se fait chier quand même. Ça me fout un peu dans la merde, mais au moins ça ira plus vite. Mais là, j'en ai plein le cul là. Après, ça va, ça, on reprend des couleurs, ça me coûte quand même moins cher qu'avant. Par contre, j'ai beaucoup perdu en potentiel de levée, faudra que je résolve ça la prochaine fois. Ok, il revient. Il s'arrête jamais, hein. Il essaye, hein, tant bien que mal, tout le temps, mais il va pas y arriver, hein. C'est son grand problème dans la vie, c'est que... Il s'avère qu'il va pas y arriver, en fait. Putain, c'est chaud, hein. La vache, c'est chaud, hein. Allez, 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 j'y crois à mort. Ok. Et là, ça va être le pur Delbor. Disperse tout. Hein. I'm not feeling so good, Mr. Stark. Ok. Mon dieu, c'était compliqué. Hein. Des bisous, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite.